les valeurs du club sont les valeurs propres à tous les sports finalement. Donc la camaraderie, le goût de l'effort, la continuité dans l'effort. On insiste sur plusieurs choses, l'aspect à la fois martial et l'aspect sport de combat de notre discipline. Je valorise à la fois l'aspect esthétique dans les Taolu, l'aspect self-défense dans les Gongfang et également le combat dans le combat Sanda. Alors venez nous rejoindre à Taoshinago parce que en fait vous trouverez forcément votre compte, à savoir si vous êtes un compétiteur aguerri ou un compétiteur forcené, vous trouverez dans le Taolu ou dans le Sanda la manière de vous exprimer. Si également vous voulez faire du sport santé pour vous maintenir en excellente forme jusqu'à 75 ou 100 ans. Hein, donc le club se pratique à la fois en loisir et en compétition, à savoir que nos plus jeunes compétiteurs ont même pas 10 ans, 8 ans, et les plus âgés 50 ans. Donc écoutez, venez nous rejoindre, on vous accueillera dans la bonne humeur. Ce qui me plaît dans le Kung-Fu, c'est la rencontre avec les professeurs et les élèves, les professeurs très méthodiques. Et les élèves tous fort sympathiques et vraiment très agréables. Et quels que soient les professeurs et les cours assénés à Surzur ou à Poudre. Voilà, je m'appelle Enora, je pratique le Kung-Fu depuis que je suis enfant. J'ai eu l'occasion de participer au championnat de France où je suis arrivée 4e et au championnat de Bretagne où je suis arrivée 1ère. C'était pour un Taolu moderne. Donc voilà, le Kung Fu m'a énormément apporté dans le sport.